Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on a une vidéo un petit peu différente de d'habitude, voire même beaucoup beaucoup. Comme je l'avais annoncé il y a quelques temps, je compte vraiment commencer à vendre mes œuvres, mais je veux pas juste vendre des œuvres, je veux faire d'autres choses avec. Donc j'ai acheté du matériel et aujourd'hui on va le déballer et l'installer un peu là où je peux, parce que j'ai pas beaucoup de place. On y va. Voici les cartons, ils sont assez gros, on verra ce qu'on va faire. On va commencer par le plus petit parce que le gros, je sais que c'est l'imprimante de toute façon. Okay. La première chose importante que j'ai achetée, c'est ça. Des nouvelles caméras pour pouvoir vous faire de meilleures vidéos. J'espère que ce sera bien. J'en ai acheté deux. Comme ça, ça va, Yuki? Comme ça, j'aurai toujours deux angles de vue et ce sera toujours aussi dynamique. Des cartes mémoire, très important. Et un micro. On va essayer de faire une transition stylée de l'ancienne à la nouvelle caméra. Ok, alors j'ai installé le micro. Je ne sais pas du tout si ça enregistre correctement. On verra. Reprenons là où on était. Ça doit être de l'encre. Alors, pourquoi tout est mélangé dans le colis? Simplement parce que j'habite en Martinique. C'est une petite île. Il y a beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'on n'a pas. Et du coup, il y a certaines choses que je suis obligée d'importer. Le problème, c'est que la plupart des sites, dont Canon, ne livrent pas en Martinique. Donc, on doit passer par un intermédiaire. Et donc, l'intermédiaire a reçu tout ça. Et à ce moment-là, il me le renvoie. Il y a un truc vraiment intéressant, là. C'est la Cricut Explore. Elle est beaucoup plus grande que je pensais. Tout comme l'imprimante est beaucoup plus grande que je pensais. Enfin bon, voyons voir où ça que je vais pouvoir mettre ça. Très franchement, au départ, je voulais la mettre là-haut. Mais je crois pas que ce soit possible. Donc je crois qu'il va falloir que je retire cette belle demoiselle. Alors vous allez vous dire, pourquoi tes décos d'Halloween sont toujours là? Halloween s'est passé depuis un petit moment. Every day is Halloween. Simplement. Pour moi, Halloween c'est tous les jours et je vois pas pourquoi je me priverais de garder mes jolies décorations parce que c'est l'une des seules fêtes que je fête. Donc j'en profite un maximum et je la fête tout le temps. Hop là. Yes. On va déballer le machin. Alors j'ai réussi à avoir la Cricut avec son matériel états-unien comme français et autre encore. J'ai réussi à avoir la Cricut avec un pack. J'avais une promo avec la machine plus tout le pack. Donc je pourrais faire directement des tests avec ça pour commencer mes stickers. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une vidéo avec tous les tests. Je pense que je vais vous faire une vidéo avec tous les tests. Comme ça, il y aura un suivi de cette vidéo-là. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah! Là, ce sont les batteries de rechange des caméras. Effectivement, très, très, très important. Là, c'est du vinyle thermocollant pour les tissus. Donc, j'en ai en noir, en blanc et en doré. Je pense que je vais essayer de faire des petits trucs pour la maison avec ça. Avant de promotionner là-dessus, je ne sais pas si je vais faire du thermocollant avec mes œuvres. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait, par exemple, des sacs, des tote bags ou, je sais pas, des têtes d'oreiller, des trucs comme ça. Pas du tout si ça serait intéressant. J'y avais pas pensé, mais en ayant ça, là, je me dis pourquoi pas. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Là, on a des feuilles de vinyle. Trois couleurs, rouge, noir et blanc. Je n'ai aucune idée de où je vais ranger ça. Ah si, je sais.
Je sais. C'est trop grand, ça rentre pas. Oh, flûte. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre là. En espérant que Yukihiko ne joue pas avec. On passe à la seconde boîte. L'imprimante. Alors, je sais où la placer, au moins, elle. Photo qui était vendu avec l'imprimante. Je sais pas si je vais l'utiliser, mais bon, ça va servir quand même. Et tout ce qu'il y a là-dedans, c'est de l'encre. On va installer l'encre maintenant. Ah, c'est ma meilleure amie qui l'a fait. Elle fait de magnifiques broderies. Je vous mettrai son lien de sa page Insta en description. Bon, eh bien, cette vidéo touche à sa fin. Elle a été un petit peu longue pour moi. Surtout le paramétrage des deux machines. Je ne sais pas si je vais recevoir la machine à badge à temps. Parce que je voulais intégrer la machine à badge dans cette vidéo, mais ils ont eu des soucis de réassort, du coup j'attends. Je ne sais pas si ça aura le temps d'arriver le temps que je fasse cette vidéo, donc voilà. Parce qu'en Martinique, les délais sont très très longs. En tout cas, merci de m'avoir accompagnée aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner et puis à liker cette vidéo. Et puis comme toujours, mettez un petit cœur noir en commentaire si cette vidéo vous a plu et j'espère pouvoir en faire d'autres et qu'elles vous plairont tout autant. Bye bye!